Bonjour, bonsoir, bon appétit, bienvenue de retour sur Dark Souls. Et apparemment, on a un gros boss à battre. Excusez-moi, c'est... Savoir que je vais taper un dragon, ça me fait rôter. Donc là, il y a des chiens. Bonjour les chiens. Ah non, les chiens, c'était du one-shot? Ah non, voilà. Ça avait pas de sens. Ça n'est pas de bon sens. Ah non, c'est pas par là. C'est par là-bas. Ah oui, non, c'était par là-bas. Oui, voilà, c'était par là. Ah oui, non, pas du tout, c'est pas par là. Mais fais chier. Je vais y arriver, hein, excusez-moi. Je vais combattre ma Cotorépi et puis... Je vais y arriver, je vous promets. Ah, bien. Tu te prends les pieds dans ton... Ça fait très bizarre. Ok. L'IA des chiens, c'est quelque chose. Ah. Aïe. Je croyais que... Ah, il m'a pas touché. Et il m'a pas touché et touché après. Ça n'a aucun sens. Dans la salle, avec tous les Taz, il y a un coffre mimique où tu chopes une clé pour cette porte au fond jeu. Dans la salle avec tous les Taz. Dans la salle avec tous les Taz. Je me souviens plus. Parce que je me souviens que j'ai battu une mimique qui m'a donné je sais plus quoi. Allez, on descend. Oui. Bon alors, est-ce que ce dragon il fait honneur à sa réputation? Ah, je crois que c'était ça. Bonjour. Âme courageux. Ok. Âme de héros. Un courageux guerrier et un gros dragon qui me fonce dessus. Ah ouais, en fait c'est le dragon nul du pont mais plus quoi. Attends, me dites pas qu'il faut que je lui tire une flèche pour qu'il descende quand même. Parce que je vais me fâcher très fort. Tu vas te faire pincer très fort. Pourquoi ça? Mais pourquoi ça? Pas de shortcut dans cette zone. Il ne descendra pas tant que le forgeron. Ah! Il ne descendra pas tant que le forgeron lui aura pas tiré la flèche. Ah! Grande flèche de goût! Aïe! Juste récupérer mon cadavre. Bon, j'ai récupéré la grande flèche de goût. De... Oh, oh, oh. Personne n'aura cette référence. Oh, oh, oh. Pardon. Oh, si une personne l'a cette référence, mais putain. Ah, oh, j'offre un sub à cette personne. Parce que ce sera une personne de bon goût. Ça récupère la flèche qu'il faut pour changer. Oui, oui, j'ai compris, mais c'est juste que j'ai pas envie de laisser mes 5 humanités derrière moi. Ça m'embêterait un petit peu. Je vais me protéger un petit peu mieux. Et on y va. Enfin, surtout que j'ai un bouclier en plus spécial pour le feu, donc spécial pour les dragons. Voilà. Non, c'est bon. Stop. Donc là,
Je vais récupérer mon cadavre et je vais utiliser un os de retour. L'os de retour, il faut que je fasse. Ah merde, l'os de retour, je l'ai pas équipé. L'os de retour. Ah oui, d'accord. 4. Ah, mais t'aurais pu le mettre juste après, t'inverses jusqu'à les deux. Non, pour le beau jeu, putain. J'ai la flemme, je vais faire de nuit. Planque-toi ici. Et là, tu te retournes, tu le regardes. Et bouclier. Merde. Et go. Hop là. Ok. C'est bon. T'es tendu, mais c'est bon. Alors, on me dit, dans la salle avec tous les tazes, il y a un coffre mimique où tu chopes une clé de cette porte pour le forgeron. Après le shortcut. Quand tu dis après le shortcut, c'est après le shortcut près du Unfire ou après il faut que je prenne le shortcut et il est juste après. Hein? Bien, quoi. Donc du coup c'est bel et bien forgeron je vois qu'il y a derrière la porte. Oui. Oh là 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 là. Progressez jusqu'à atteindre la section inférieure de la ville d'Octacil. Là-bas, rejoignez le bâtiment occupé par de nombreux habitants corrompus. Après, vous en êtes débarrassé, montez au dernier étage du bâtiment par les escaliers sur la droite. En haut, avancez sur la passerelle en bois. Et sautez sur le balcon de votre... Ah ! Coucou. Vox Element ! Coucou ! Comme il dit au-dessus. Tout pareil. Ok. Il faut que je passe par... Non, parce que là, c'est un gros raccourci. Oh. Si, ici. Donc là, il est censé y avoir des... Là-bas. Comment vas-tu, Vox Element? Qu'est-ce que tu nous racontes, Jobo, aujourd'hui? On se... Fuck! Aïe! Ok. Putain, mais ils font mal en fait, hein. Je pense que j'ai pas assez de protection magique en vrai. J'ai beaucoup de protection physique, mais pas assez de magique. Ah ouais! Ah merde, mais il est revenu lui! Ah bah il revient à chaque fois en fait. Bonjour! Ah lui, en combat à distance, il doit être tellement sain. Allez hop, c'est fini. Ok. Ah, mur de maille, jambière de maille. Oh. Putain, mais elles sont jolies en plus. Il est joli ce stuff. Mais c'est de la merde. Dommage. Un homme en côte. En côte de fine maille d'acier serré. On la retrouve un peu partout dans le monde des humains car il est facile à fabriquer. Pas trop lourd et offre une bonne défense. Les chevaliers préfèrent peut-être les armures voyants pour les guerriers sur le champ de bataille, seul contre la survie. Nice. Donc là, il est censé y avoir quelque part des escaliers, non, c'est ça? Ou j'ai mal compris? Ou c'est un petit peu plus tard? Le bâtiment occupé par de nombreux habitants corrompus. Vous en êtes débarrassé. Montez au dernier étage du bâtiment par les escaliers à droite en haut. Ah, c'est pas là, en fait. Et là, je pense que si j'avance, je change de zone, non? Donc il y a moyen que je recule un petit peu. La salle d'avant. Ah! Ok. Ok.
c'est pas ici, c'est la salle d'avant. Oh, y'a rien. Oh! Y'a rien. Bah tiens. Petite âme. Donc là, je dois remonter un petit peu, peut-être. Je longe le mur. J'allais dire, je longe le mur pour voir si s'il n'y a pas un escalier ou je dois tomber la machin. Hein. Arrête! Ah, cette salle-là! Ah ouais, il y a les escaliers là! Grand titanite. The fuck! Oh la pute, il me vise de loin! Tiens, est-ce que les deux guerriers peuvent venir ici, s'il vous plaît? Un. Ah, j'ai plus de fil. Après, j'ai 20 000 d'humanité. Mais... Allez, go. Tiens, vas-y, derrière. Tac, il a fini de lancer sa boule. Et paf! Non, merde! Non! Mais la... Putain de sa race! Ok, c'est bon. Ah, il est tombé. Ah, c'est pour ça qu'il y en avait un là. Bonne soirée, on va battre la... On va battre le dernier Mandalorian. Je sais pas ce que c'est. Bah écoute, j'espère que tu vas bien profiter, mais je sais pas ce que c'est. Ah! Ok. Quand tu t'as Star Wars. Ah, d'accord, ok. Ouais, ça fait partie des choses que... Star Wars, j'ai, en fait, comme j'ai jamais accroché à tout ce qui était univers spatial, tout ça, machin, j'ai jamais accroché Star Wars. Je devrais, hein. Enfin, je devrais re-regarder, mais... J'ai jamais accroché. Attends, c'était peut-être les petits escaliers qu'il y avait sur le côté, alors. C'est pas ceux-là. Ah! Aïe! Putain! Courage! Merci! Et bon cinéma! Par là? Ou est-ce que là je retourne en... Ah mais là je retourne en arrière, c'est pas par là. D'accord, c'est pas par là, c'est les petits escaliers que j'ai vus à droite. Ah lol. Ici. Oui. Oui, c'est moi. Ah ma poupette. Petit hommage à Ansel, qui a décidé de nous bouder, qui vient plus sur la chaîne. J'étais bel et bien pas passé par ici. Donc là, il doit y avoir un mage, du coup, j'imagine, vu ce que j'entends rigoler depuis tout à l'heure. Essayez lumière. Ah! Il y a un autre passage en dessous. Un passage là. Ok. Ah mais non ! Ah merde, pas du tout ! Attends, je comprends pas. J'ai loupé un truc là. Attendez. Qu'est-ce que c'est que cette merde? J'ai coupé quelque chose. Ah, il disait laisser tomber sur la gauche, pas quoi. Là? Non, là y a rien. Là y a un feu, y a une salle. Celle que je connais pas là. Ah!
Là. Ah, et oui, en effet, il y a une mimique. La chaîne, elle est mal placée. Oui. Attention. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Et donc, est-ce que c'est toi qui me donne la clé? Clé emblème. Ah, ça y est. On l'a. Dame Ginette. La clé, putain. Si, Juto, ça se passe dans l'espace. Paf. Ok, on va par là. Attends, il y a une échelle ou c'est juste... D'accord, c'est se laisser tomber pour ne pas revenir. Par contre, il y a là, il y a une échelle. Descends. J'atterris où, là? Ah. Ok, donc là... Ah non, d'accord, c'est juste pour redescendre après, ici. Ok. Pouf. Ok, bon bah c'est bon, on a l'échelle. Maintenant on peut retourner. Aller voir. La porte fermée. Là. Maintenant que les idées à travers sont ouvertes. Oui, voilà, c'est ça. Je l'avais saisi. Ni! Et ses mères chaussures. Et... J'ai hâte de voir ce que ça donne. Parce que alors, du coup, c'est le troisième et dernier forgeron du jeu. Oh putain, dis-moi qu'il va m'améliorer grandement mes armes, m'offrir une protection divine sur absolument tout, me donner plus 400 de défense, plus 400 de dégâts. Maintenant, il va juste me forger des flèches simples, tu vois, ça me gavait. Bonjour! Yes! Oui. Bonjour! Oh, t'es gros! Oh! T'es très gros. Tu sais que tu peux enlever ton haut, mais y'a rien ici. Hein. Il épluche des patates, qu'est-ce qu'il fait? Visitor, have we? Oh! Thou must be the one who freed Artorias. Yep. That old friend he was. Thanks to thee, he left this world with honor intact. Écoutez, c'est... And here I am, retired and blind. Of little help to thee, I'm afraid. Si, 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 tu vas m'être utile, t'inquiète pas. C'est, écoutez, on dirait... comment il s'appelle déjà? Merde! Merde, comment il s'appelle? Celui qui fait le mage de du Seigneur des Anneaux. Oh putain, mais j'ai des trous de mémoire. Ah, en ce moment, c'est dingue. Non, pas Sylvebarbe. Le blanc. Merde, le mage qui trahit tout le monde. C'est... Saruman. Ouais, on dirait celui qui fait Saruman. On dirait, non, franchement. Bon, alors, qu'est-ce que tu me fais? J'ai pas entendu... Strange. J'ai pas entendu. Repose-moi ta question, Christopher Lee, c'est ça, merci. Merde! Il m'a posé une question, je sais pas ce qu'il m'a... Oh, merde! Visage disant bonjour, visage disant merci, une tarte à la bouse. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Grande flèche de gour. D'accord. Fais parler, me dit-on. Fais parler. Dragons shall never unite fought valiantly. But for every one of them, we lost 60 of our own. Ok. Exhilaration. Pride. Hatred. Ouais, t'es trop lent. Thou will understand one day. At our twilight,
Ok. There's very little. What good is a dog with no hands? But I'm lucky to be alive. C'est tout? Et ta flèche? Tu veux pas venir m'aider à buter le dragon? Oh putain! Oh putain! Ouh, ça c'est de l'arc! J'ai besoin d'aide, je crois, il a foiré la quête. Non! Non! Non, non, attends, me dis pas ça! Attendez, dans le doute, on va tenter un truc. Tac. Un petit Alt F4. Oh merde, il m'a remis là. Ah! Ouais, est-ce que je vois? Oui! Oh! It's called Calamite. Ah, une calamité, Calamite. Even mighty Anna Londa dared not provoke his ire. I see little good coming from this, but my intent is to persevere. Yep, exactement, mon gars. Oui. Good, good. What is bravery without a dash of recklessness? I've taken a liking to thee, and I owe thee much for thy service to Artorias. Now, watch, and see how Goth hunts dragons. Oh. Il est aveugle, t'es sûr de ça? Ah oui. Mais où est-ce qu'il tire, là? Jean! Jean! Ah non, mais venez me dire qu'après, il est aveugle, après ce qu'il vient de faire. Putain, la vache! Daredevil, quoi! Cool! Ok, lol. Bon, après, j'avais raison, hormis ça, il nous vend que de la merde. Voilà, parce qu'un déjà, un visage qui dit bonjour, un autre qui dit merci, c'est bon, quoi. J'ai autre chose à foutre, quand même. Ah, et maintenant, du coup, il y a un... Ah. Ils ont mis un écran de fumée. Tu vois où il est? S'il est tout à droite, c'est cool. Parce que je peux aller à la fontaine à... Ou là, c'est en dessous là. Je peux aller chercher la tablette. Et après, faire passer mon arme en plus 15 si j'ai des soucis et que... Non. Ou alors, sauf si j'ai une animation dès que j'arrive en bas. Ah, il est censé être où? Bah, il est tout là-bas. Ok, donc là, il doit y avoir peut-être un coffre dans le coin. Il avance vite ou pas? Non. Ok. Il n'y a rien. Ah! Là!
Yes. Tablette. Aïe. Aïe. Va-t'en. Putain, mais ce menu, quoi, qui veut pas s'en aller. Et qui m'empêche de faire quoi que ce soit. Oh là là, mais quelle connerie ce jeu. Tiens, de l'autre côté. Voilà, parfait. Ah, merde, tant pis. Bon, je vais... Oh. Ok. Bon. Au moins, j'ai récupéré ce que je voulais. On va pouvoir faire une petite arme plus... Ah ouais, bah il faut des armes, mais j'ai pas, j'ai plein de... combien il faut pour... 800. Ok, bon bah je peux prendre une petite âme à la con. Courageux gars. Petite âme à la con, 5000. Ouais, c'est ça. Ok. Renforcer arme. Tac. Et hop, plus 15. Succès déverrouillé, arme ultime. Oh. C'est-à-dire... Je suis passé à 666. 666. Lol. Trop bien. Je vais... On sait jamais. Oh. C'est bien un anus. C'est l'amanus. Je vais utiliser l'humanité jumelle pour redevenir humain et embrasé. Redevenir humain. Oui. Je peux pas accélérer ça, cette animation. Ah, je peux pas. J'étais trop devenu humain. Non. Embrasé. Frouche. Voilà, c'est bon. Allez, on peut y aller. Cette fois-ci, ça va chier. Arsley le Spire a prouvé une nouvelle annonce. Lol, je m'en fous. Je suis occupé. Ok, il est là. Hop là. Il a pas mal de vie et il fait relativement mal. Non, relève-toi, relève-toi. Relève-toi, relève-toi. Oh putain, mais je peux rien faire. Oh, il me laisse le temps de rien là. Ok. Ah! Alors non, alors voilà, alors oui. Ça, on va en parler, ça, mais c'est un truc à la con, ça. Qu'est-ce que j'ai sur la tête? Ah, c'est genre sensible au feu, c'est ça? Ok. Ça. Non, faut autre chose, faut autre chose, faut autre chose, faut autre chose. Ok. Parfait. Parfait. Sa queue, ouais, ma Sam, t'es mignon, mais est-ce que j'ai le temps de faire quoi que ce soit? Non, j'ai pas le temps, tant pis. Oh non, t'es sérieux?
Voilà. Est-ce que j'ai une gueule à avoir envie de couper la queue d'un dragon? J'étais à un coup de gagner, quoi, putain. Alors oui, alors deux choses. La première chose... quand vous faites un jeu vidéo, quand vous faites du sound design, n'utilisez jamais, au grand jamais, une sinusoïde. Voilà, c'est quelque chose qui est interdit... sans quoi je vais arriver chez vous, je vais vous énucléer, parce que utiliser une sinusoïde, c'est mauvais pour les oreilles. Voilà, première chose déjà. Deuxième chose. dites je suis salé, dites tout ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Mais j'ai regardé toutes les armes du jeu, aucune pour mon build n'est mieux que celle que j'ai là. Donc j'en ai rien à foutre de couper la queue d'un dragon. Oh putain, j'avais eu du bol et tout, j'y étais presque. Pour le beau jeu. Ah non. Oh non. Ah non. Fais ton greux. J'ai autre chose à foutre que d'essayer de manipuler la RNG pour avoir juste une arme que j'utiliserai jamais. Non. Jeu qui casse les couilles et qui me loque dans un coin. Ah, ok. Oh putain. Pourquoi je perds autant de vie là? C'est pas normal ça. Tout à l'heure je perdais moins. Oh, c'est choupi, regardez. Oui. Allez, on y va. Il est où mon cadavre? Je vais m'avancer un petit peu plus près de l'échelle. Et si je remonte à l'échelle? Ah mais non, parce que du coup c'est beaucoup trop pour... Yes, l'esquive! Je vais retourner près de l'échelle. Je vais courir près de l'échelle. Ah, j'ai sauté! Ok. Voilà. Du coup là on va être un peu mieux. Voilà. Maintenant on peut combattre. Ah. Moi aussi j'attaque. Bon, d'accord. Bon au moins là c'est bon, on est près de l'échelle, on va pouvoir commencer à faire quelque chose. Ah putain, ce que c'est chiant. Ah merde! Inferme. Putain, si seulement j'avais pas écouté mon chat. Défonce la queue du dragon. Ah! Ah, mais attends de voir ce qu'il te donne comme anneau. Ah! Ah non, il y a un kappa. Ça va être un anneau nul. L'anneau du bravo. J'ai dit bois, abruti de ta mère! Mais c'est pas ce que je t'ai demandé! Touche-le! Ah, je le déteste tellement! Oh yes, ça y est! Le retour de la moule! Le retour de la moule, ça y me rate! Aïe! Oh! Gros boss, hein, gros boss.
Et par contre, c'est marrant parce que c'est... Tout le monde dit Calamite, mais il y a quand même marqué Kamalite, hein. C'est-à-dire, qui est-ce qui s'est gouré? Le PNJ et tout le monde dans le chat? Ou la personne qui sait pas écrire et qui a décidé, qui était responsable? Oh merde! Oh putain, il m'a frôlé quoi! Je sais pas ce que c'était cette attaque. Ah, le one shot qui fait du bien! Dès qu'il se lève, tu sprintes à l'opposé. J'ai pas le temps. Je vois rien! Putain. Voilà, de toute façon. Je commence à m'y faire. Ok, cool, je suis juste à côté. Ok, je vais voir ce qu'il fait déjà comme action. Je vais reculer un petit peu. Est-ce que je vais foncer sur lui? Parfait. Voilà, vise-le. Non! Ouais, une fois. Une fois, voilà. Une seule fois. Entre ses jambes, ouais. Encore une fois. Ok, c'est bon. Un, deux. Encore un. Et... Non. Avance, avance. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il va bouger. Oh yes. La boule. Yes, remoule. Et remoule. C'est de la pure luck. Ok. Calamite. Terminé. Anneau de calamité en plus. Ah. Eh ben. Je vois un canon. Oh putain, c'était stressant. Se dire qu'on gagne juste par le RNG, c'est stressant. 60 000 d'âmes. Je m'attendais à plus. Vous savez quoi, de toute façon, je maîtriserai plus trop mes os de retour. On retourne en os. Yes. Et là, temps de voir pourquoi... Le temps de voir pourquoi tu t'es fait chier. Alors, qu'est-ce que c'est que cet anneau? C'est genre l'anneau qui fait rien, en fait. Un anneau enchanté par l'œil orangé de Calamite. Porteur... Et là, il met Calamite. Porteur de calamité double les dégâts reçus par son porteur. Par son porteur? Un anneau inutile, bien trop petit. Mieux vaut le laisser à l'abri des regards. Ah non, je croyais que c'était... Les dégâts reçus? Mais... LOL! Crétin de jeu. Putain. Niveau supérieur. T'as donne-nous rien plutôt que ça, quoi. Force. Paf. 667. Allez hop. Boum. Go voir go. Ah oui, allez. Via go go go. C'est pas une erreur de trad. Comment ça, c'est pas une erreur de trad? Même là, il disait que... Là, il y avait marqué Calamite. Et en combat, il y avait marqué Kamalite. C'est, en fait, c'est sur le combat. Ils ont juste fait un... Ils ont juste inversé deux lettres, quoi, c'est tout. Je parle de la partie dommages reçus. C'est vraiment un anneau à la con. Oui, oui, bah ça, j'imagine bien. Thou hast defeated Calamite. Voilà, Calamite. Wondrously played. Lord Quinn's blessing upon me. That beast will never take to the skies again. Yep. Et donc apparemment, il me vend un truc de ouf. Alors toujours bonjour, merci. Fragment. Et rien. Voilà, excellent. Bravo.
Merci. Ah, this great bow, I shan't need it, but no dragons to hunt. I know not if a human could even operate it. Oh, ho, ho, ho. I need outweighs mine. On fait péter l'arc. Grand arc de Go. Bon, j'ai pas les flèches, mais... Farewell, proud human. Attends. May every honor be bestowed upon thee. Merci. Attends. Il faut combien de force pour le manier déjà ça? Normalement, je suis assez fort, j'ai 58 de force. Grand arc de Gore. 85, c'est tout? 13 de poids, d'accord. Faut 27 de force, 20 de dextérité, juste que j'ai. BC, d'accord. 135 plus 305 pour mon grand arc tueur de dragon. 85 plus 298 pour l'autre. Ah, par contre, il est en paramètre bonus B. Ce qui est pas mal. Et j'imagine qu'avec l'amélioration, ça peut être pas mal. 85 en plus 0. Oui. Mais mon grand arc tueur dragon, il est à 135 plus 305. Donc ce qui est quand même vachement mieux, quoi. L'autre il a 85 plus 298, c'est quand même beaucoup moins. Mais ah, une meilleure distance. Meilleure distance. Mais à plus 5, ouais c'est ça, donc j'imagine que... A voir à combien ça s'améliore. Je sais pas... Est-ce que je peux l'améliorer, tiens? Ah mais non, lui c'est pas un... Oh merde! Oui, c'est quoi, flemme, hop, monte-le, bah, je vais le monter, je vais le tourner. Roxane, elle est là, j'ai battu gros dragon de merde, renforcer arme, ah oui, plus 8 par niveau amélioré, ah ouais, il faut de la titanie scintillante, hein. Ah ouais, non, on va les dépasser. 3, 4, il me manque une titanite scintillante. Est-ce que je vais l'acheter? Je vais réparer mon équipement. Je fais juste écouter en background. Ça marche. Pas possible. Mais calmez-vous enfin. Je vais améliorer. Je vais lui faire prendre son dernier niveau. Ouais. Y'a pas un coffre derrière le forgeon? Ah si! Oh, j'ai jamais vu! Oh, j'avais. Putain! Ah, oh, mais Chiu qui a l'œil quoi! Ok. Ah, oh, putain, j'ai jamais remarqué! Ah, mais il est bloqué. Genre, il faut que je tue le forgeron pour y accéder, c'est ça? Ah non. Peut-être pas. C'est bon. Oh! Je suis bloqué. Non, je suis bloqué! Ah non, c'est bon. Il y avait son animation qui me bloquait. Il fait quoi, Sano? L'anneau du faucon. Augmente la portée de l'arc. Ah! Ok. J'aime qu'il ait pris 20 cassos pour une upgrade de 2K. Ouais, bon, pff, on est sur la fin. Hein. De toute façon, j'ai plus rien à faire après. Est-ce que j'ai quelque chose encore à faire maintenant? En vrai. Est-ce que j'ai quelque chose encore à faire? Normalement, non. Dites-moi, est-ce que j'ai loupé des boss? Est-ce que j'ai loupé des trucs? Réfléchissez-y en attendant. YouTube, pour toi, ça s'arrête là. J'espère que t'as kiffé, évidemment, si c'est le cas, tu mets un pouce, sinon je te fais un doigt. Je te fais plein de gros bisous, je te dis à la prochaine. Ciao.